Bienvenue à Trappes. Nous sommes au pied de la cité des Dents de Scie. Nous sommes à peu près au début du XXe siècle. Trappes est un village agricole et compte environ 1000 habitants. L'édification de la cité des Dents de Scie dépend de plusieurs facteurs, notamment l'arrivée du train, donc la ligne Paris-Chartres, qui va passer par Trappes en 1845, la gare qui va être implantée en 1849. Juste avant cette période-là, nous avons le courant hygiéniste qui favorisait des habitations aérées, faciles à entretenir et ensoleillées. Nous avons également les cités-jardins qui mêlent la campagne à la ville. À la fin du 19e siècle, s'est développé déjà des cités ouvrières que les entrepreneurs paternalistes développaient pour installer leur main-d'œuvre ouvrière et qualifiée sur leur lieu de travail. Les architectes en charge de ce projet sont Henri et André Guton. Le fils André travaillera avec son père pour l'office public d'HBM de Seine-et-Oise et réalisera les cités que Raoul Dautry demandera. Raoul Dautry ayant repris le concept des cités ouvrières en tant que directeur de la compagnie de chemins de fer de l'Ouest et du Nord. À travers ses réalisations, il travaillera activement pour le désengorgement de Paris et de sa banlieue en prônant l'amélioration de l'habitat social. La cité des Dents de Scie comporte 40 pavillons mitoyens, 28 au nord et 12 au sud, et présente des façades épurées avec un toit terrasse. Les 40 pavillons mitoyens sont décalés à 45 degrés par rapport à la voirie pour bénéficier de l'ensoleillement du matin jusqu'au soir. L'intérieur du pavillon comporte un 4 pièces. À l'origine, au rez-de-chaussée se trouvait un porche d'entrée qui était ouvert et qui donnait sur le jardin, fiché entre deux pavillons. Il y avait également une buanderie qui servait d'endroit pour laver le linge et des WC. Dans l'autre partie de la maison se trouvait la salle commune avec un coin cuisine. À l'étage se trouvaient les trois chambres, dont une parentale. Sous le rez-de-chaussée se trouve une cave semi-enterrée qui fait la moitié de la surface du pavillon. Ces pavillons ont été construits avec des matériaux simples et bruts, comme le bois, le béton, la brique et le carrelage. À la fin des années 80, le bailleur social, propriétaire de cet ensemble architectural, décide de raser cette cité pour pouvoir implanter un programme d'une plus grande envergure. Les associations de résidents, la ville et l'écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines se rassemblent et se concertent pour pouvoir faire une demande de classement de cette cité remarquable. La cité sera inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en décembre 1992. La cité va bénéficier d'une réhabilitation sur mesure entre 1997 et 1998. 10 mois de travaux qui vont coûter environ 1 600 000 euros. La cité bénéficiera également en 2004 du label Patrimoine du XXe siècle.